l'assemblée locale. Et voilà. Chaque année, ça se passe comme ça. Chaque année, on fait le tour. D'ailleurs, il y a que l'année dernière qu'on ne l'a pas fait, parce qu'avec Covid, on a décidé de ne pas le faire avec Covid. Donc, il y a déjà qui l'ont fait, mais nous, on a décidé de ne pas le faire. Et cette année, on a décidé de le refaire pour nos clients habituels qu'on avait déjà, qui sont revenus nous voir. Et ça se passe très, très bien avec eux. C'est super. Donc, et concernant la YOLO, vous êtes. Qu'est-ce qu'elle fait de bon? On est pour la JFA qui en ce moment qui nous donne de très belles performances, qui sont souvent 4e, 5e. Et au classement général, ils sont 6e. Donc on trouve que c'est une belle performance pour cette année. Et qui continue comme ça pour un jour qu'ils puissent nous donner une étape pour faire sauter tous les supporters JFA Caraïbes. Absolument. Mais dites-moi, est-ce que le travail qu'ils font du boulot, c'est-à-dire au point de vue entraînement, est-ce qu'ils se donnent beaucoup pour que ça soit plus à l'aise pendant la compétition? Je trouve qu'ils donnent ce qu'ils font un très bon entraînement, déjà vu d'aider ce qu'il fait, déjà ce qu'il apprend déjà des élèves à faire l'aïeul. Donc je trouve que c'est déjà une très belle chose qu'il fait. Et plus les collègues qui courent avec lui, ils font des entraînements très sérieux, sont très réguliers, très sérieux. Bon, c'est la seule chose qui manque, c'est une petite victoire pour GF Akaï, voilà. Et pour les encourager. Et pour les encourager. Une chose, est-ce que vous avez pensé à la jeunesse? Est-ce que vous avez des jeunes avec vous? Justement, c'est ce que je viens de dire là à l'instant, que ce qu'il est en train de faire, il est en train de faire une très belle chose d'apprendre à la jeunesse l'aïeul martiniquaise. Et c'est ce qui se passe actuellement, que je crois qu'il y a même une école qui est en train de construire, de faire une école avec les jeunes. Ils apprennent à connaître l'aïeul, à monter l'aïeul, tout ce qui est le bois dressé, tout ce qui s'ensuit. Il ramène de très belles choses pour les jeunes. Et je lui dis bonne continuation comme ça. Merci. Une dernière question. Avec les filles, est-ce que vous en avez beaucoup? Je ne sais pas s'il y a des filles. J'ai pas vu encore les élèves qu'il a. C'est ce que j'ai entendu de bouche à oreille, parce que bon, on n'est pas souvent là, parce que moi je ne suis pas ici. Donc il est par bouche à oreille qu'il a déjà pas mal d'élèves qui les instruit l'aïeul ronde, et c'est très très bien pour lui expliquer. Voilà. Super. Eh bien, on vous remercie infiniment. C'est moi. Et la radio.